monsieur, bonsoir jeunes gens, bonsoir les amis, bonsoir à vous qui êtes devant votre téléviseur. Tranquillement installé, boum boum, une petite 40 minutes de détente, en se demandant si finalement on est comme les autres, si on pense tous pareil, si le panel a les mêmes idées que nous. Figurez-vous que 3 070 €, c'est la somme qu'ils ont gagnée hier. Puis hop, 3 110 €, ils se disent, bon, peut-être qu'on peut gagner, faire plus, quand même, faire gagner un petit peu plus, aller plus loin en finale, pour gagner 100 000 €, allez savoir. En tout cas, revoilà les Benamou. Ouais ! Ils font ouais, comme ça, mais, hein, tout n'est pas gagné. Face à eux, des Catalans, passionnés de rugby et de sardane. C'est une danse. Avec un peu de chance, j'aurais peut-être droit à une démonstration. Bienvenue à la famille Liabre. Liabresse, bonsoir. Bonsoir. Ces deux familles veulent, vous le savez, arriver en finale, décrocher les 100 000 euros. Et prouver qu'être une famille, c'est bien, mais une famille en or, c'est très bien. Bravo. Alexandre, bonsoir. Bonsoir Christophe. Voulez-vous me présenter votre famille, s'il vous plaît? Alors, mon épouse Soizic. Comment ça va, mon épouse Soizic? On va très bien, formidablement bien. Ouais. Ravi de vous voir. Ma mère Marie. Bonjour ma mère. Mmh. Ma soeur Marjorie. Salut Marjorie. Bonsoir. Et Pascal, mon cougnat. Votre... Mon cougnat. Ah, c'est catalan. C'est quoi? Mon beau-frère. Ah d'accord, on m'a fait peur. Bonsoir, très bien. Sylvia. Bonsoir Christophe. Rebonsoir. Bon, j'espère que vous n'êtes pas revenu pour rien, que vos 3 000 € ne vont pas disparaître en fumée et que vous allez faire mieux. Représentez-nous votre famille, s'il vous plaît. Mon fils Jonathan. Bonsoir. Mon mari Guy. Ça va, Guy? Mon fils Benjamin. Et ma fille Déborah. Déborah, très bien. J'espère que ce soir que vous allez faire mieux qu'hier et que vous allez en tout cas conserver ce que eux sont venus. Vous chipez, vous imaginez bien, on se connaîtra mieux tout à l'heure. Pour l'instant, j'ai demandé aux deux capitaines de venir me rejoindre, car voici venu le temps de la première manche. Vous êtes agent territorial, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Excusez-moi, qu'est-ce que ça veut dire? Je travaille à la mairie de Perpignan. Très bien, à la mairie de Perpignan. Alors vous dites que sa femme fait le tiers de vous, vous voulez parler en volume? Eh ben oui, bah souvent on dit c'est ma moitié, mais j'ose plus la présenter comme ma moitié maintenant. Bougez pas, hein. Oui. Mettez-vous comme ça. Bougez pas. J'arrive, j'arrive. Ne bougez pas, je vais prendre le petit truc qui est là. Bougez pas, plan large, comme ça. Effectivement, c'est qu'un tiers. Un tiers. Très bien. Sylvia était là hier soir. Elle vient évidemment pour faire beaucoup plus qu'hier. Vous venez pour gagner, pour tout remporter. Tout à fait. Là, disons les choses comme elles sont. Christophe. Bon, mettez-moi la main sur le buzzer, une main derrière le dos. Vous allez vous affronter au cours de 4 manches. La règle du jeu est très simple, vous le savez. Nous avons posé une série de questions à un groupe composé de 100 personnes qui disent parfois n'importe quoi, mais vous allez devoir trouver ce qui se rapproche le plus de ce qu'ils ont répondu. Et pour cela, vous allez avoir des questions, vous allez avoir à y répondre, et vous irez en finale pour peut-être gagner 100 000 euros. Ouais. Ouais. Allez le cougnat. Allez le cougnat. Une mauvaise réponse et vous entendrez... Ah, pas agréable. Voici la question. Quel terme emploie-t-on pour parler d'un homme qui change souvent de conquête? Alexandre. Un macho. Un macho. Ouais. Sylvia peut mieux faire. Je ne dis rien, hein. Eh oui, 3 secondes. La main est chez les Liabres. Il y a Brest, hein, je ne me trompe pas. Hein. Allez, Soizic. Un coureur. Hein. Un coureur de jupons. Un coureur de jupons. Et voilà, c'est une top réponse, Marie. Il papillonne. Ah, mais comment appelle-t-on? Comment... Papillonneur. Un papillonneur. Bien sûr, sûrement. Et V la belle croix. Je repose la question. Quel terme emploie-t-on pour parler d'un homme qui change souvent de conquête et non pas de... Ça n'a rien à voir. Un Apollon? Comment? Un Apollon? Je ne crois pas. Et non, attention, vous pouvez vous concerter, les amis. Parce que cougnat. Et alors, il y en a un qui vient tout de suite, mais pas là. C'est le stress. Le stress, c'est vrai. Rien? Eh oui, c'est 3 secondes, les amis. Ça fait 3 croix. La main passe. Vous avez dit quoi, Déborah? Un Casanova. Moi, j'ai pas de... Casanova. Ah. Un gigolo. Il change tout le temps. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, Sylvia, la Je vais dire Casanova. Casanova. On regarde. Don Juan, non? Eh oui. Hein? Don Juan, on regarde. Ah, on dit qu'il est volage. Don Juan, c'est un Don Juan. Cavaleur, eh oui, cavaleur. Tombeur. Séducteur.
Pour qui ça fait les 25 points? Pour les Catalans. Pour les Yabres, bah dites donc. C'est une petite manche et une manche quand même. Est-ce que vous voulez gagner 2000 euros? Vous qui nous regardez. Alors vous allez devoir trouver la réponse la plus souvent donnée par le panel à cette question. Citez un aliment riche en vitamines. Le kiwi, la pomme, l'orange et la banane. La pointe grosse banane. 7-13-13 par SMS, 36-80 par téléphone et hop, 2000 euros au bout avec le nom qui s'affiche. Vous vous rendez compte? C'est formidable. Pour l'instant, nous en sommes à 25 points magnifiques pour l'IA Bresse. Ça ne veut rien dire, tout peut basculer, vous le savez. Voici la deuxième manche. Soisig, Jonathan. Et combien vous mesurez, Soisig? 1m50 à peu près. C'est très bien, 1m50. J'ai 1m50, mais j'en suis pas sûre. Mais... Où est-ce que vous êtes rencontrés? Eh bien, à Perpignan, je faisais mes études et par des amis communs. Parce que vous n'êtes pas catalane? Non, je suis bretonne, moi. Oh, vous êtes bretonne? Ça s'entend. Vous êtes bretonne, hein? Mais oui, je suis bretonne. Je suis bretonne, ouais, alors, et c'est dingue. Et je suis tombée dans le bain catalan, et voilà. C'est très bien. En face de vous, il y a Jonathan. Jonathan qui est conseiller en immobilier. Alors, qui a eu un prix formidable, on a oublié d'en parler hier, parce que c'est bien de parler des beaux diplômes. Oui. C'est que vous avez eu un premier prix de mini-golf. C'est vrai. C'est ça, c'est vraiment c'est vrai. Dans une vie, ça marque. C'est vrai, c'était aux Canaries. Et parce que moi, quand j'ai lu votre fiche, je me suis dit, putain, un premier prix de golf. Ah non, de mini-golf. Mini-golf. Ah, c'est pas pareil. C'est pas pareil. La main sur le buzzer, une main dans le dos. Attention les enfants. Voici la question. Quelle est l'insulte préférée d'un conducteur énervé? Ah, trop tard, Romine. Oui, c'est bon. Abruti. Abruti, dites donc. C'est correct. Excusez-moi. Abruti. Mais peut-être qu'on peut mieux faire, Soisig. Allez-y carrément, lâchez-vous. On en a le droit, gros mot. Ah oui, lâchez-vous. Enculé. Oh, mais c'est pas possible. J'en étais sûr. Typiquement breton, hein. Oui, tout c'est à un fait, nom typiquement tout à breton. Fait, tout à fait, oui. Je vais vous dire, le panel est très frileux. Jamais m'étonnerait qu'il ait dit encul. Ça m'étonnerait. Et si. Et voilà. Alors, c'est quelle bon est l'insulte préférée d'un conducteur énervé? Vous prenez la main avec enculé, bravo. Félicitations. Oui. Pour les enfants qui nous regardent, ça n'est pas un mot à employer. C'est clair. Alors, nous avons dit enculé. Maintenant, nous avons. On peut continuer dans ce genre de vocabulaire. Ah, ça, je ne sais pas. Lâchez-vous. Grand con. Grand con. Oui. Grand con. C'est de chez vous, grand con. Ouais, con. Ça marche. Grand. Alors, Marjorie, quelle est l'insulte préférée d'un conducteur énervé? Imbécile. Eh non, ça suffit pas, vous voyez. Autant enculé, ça passe. Autant imbécile, il n'y a pas. Connard. Hein? Connard. Et nous avons même une variante féminine avec le connasse. Alors, Alexandre, quelle est une des insultes préférées pour un conducteur énervé? J'en connais un catalan, mais ça va pas marcher, mais je pense à enfoiré. Enfoiré. Quand on coupe, la priorité, l'enfoiré. Enfoiré, est-ce que ça vient? Eh non, concertez-vous, les amis. Là, il va falloir de la jugeote hein, pour trouver la cochonnerie. Insultez-vous bien pendant un quart d'heure. Oui, imaginez-vous en voiture. Déchirez-vous la tête. Pendant ce temps-là, je demande à Soisig. Ouais. Attention, 3 secondes. Pourtant, il y en a des insultes. Aïe, aïe, aïe. Trois croix. La main passe. Ben amour. Je suis là, les amis. Oui, est-ce que vous êtes tous d'accord? Non. Alors, Déborah, allons-y. Idiot. Comment? Idiot. Oh, qu'elle est gentille, cette Déborah. Moi, ça va être un peu plus... Vas-y. Fils de... pute. Oui, c'est pas pour vous, hein. Je ne suis pas derrière vous. Ça hein. Fait peur. Ah non. D'accord, donc nous avons proposition. Nous avons fils de pute. Oui. Hein? Guy. Chauffard. Chauffard. Oh, et violent, Guy. Oh, ouais. Quelle insulte. Couillon. Alors? Couillon, vous dites, capitaine. Couillon. Aïe. J'espère que c'est pas votre insulte, Benjamin, qui passait néanmoins 62 points supplémentaires pour les Yabres. Et nous allons voir doucement, pour prendre notre temps, quelles sont les délicatesses que les individus au volant énervés peuvent se dire. Regardez, nous avons... Oh, putain! Et merde! Ta gueule! Super! Excellente soirée! Je crois que c'est un des plus beaux tableaux que nous ayons vu depuis le début de cette émission. On peut peut-être jeter un œil encore. Regardez, magnifique! Connard, connasse, quoi, enculé, putain, merde, abruti, ta gueule! Bien! Ça ramène à 87 points quand même. 87 points à zéro.
Voici venu le moment du duel. Ça n'est pas pour des points, c'est pour des cadeaux. Trente secondes pour trouver un monsieur et madame. Monsieur et madame Dégout ont une fille. C'est parti, comment s'appelle-t-elle? Oui, Sarah. Non, mais c'est pas loin. Mais il faut que ça veuille dire quelque chose, hein. Monsieur et madame Dégout, vas-y. Samantha? Mais non, Samantha Dégout, ça ne veut rien dire, ben Jonathan. Dégout, allez, en avant, là. Oh, Dégout, il était pas loin. J'hésite pas loin. Ah, merde. C'est un? Hein? Femme? Non. C'est une fille. Vas-y. Clara. Non, mais Clara Dégout, ça veut rien dire, mais quelque chose là. Ça dégoûte. Allez, vous le connaissez le prénom. Mais vous avez des cousines qui s'appellent comme ça, je suis sûr. Bien sûr. Doucement, vas-y. Christophe? Mais non. Sacha? Un nom de fille. C'était pour participer. Ça. Vous vouliez dire quelque chose? Oui. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Déborah. Bah vous auriez dû le dire avant parce que c'est ça. Ah, bravo. Eh oui, Déborah Dégout. Bien sûr. Déborah, nous avons demandé si t'es un aliment riche en vitamines. La top réponse était orange. À nouveau 2000 euros en trouvant la réponse qui arrive en deuxième position. Kiwi, qui non. Pomme ou banane. SMS 713, téléphone 380. Nous, on est gagné en fin d'émission, etc. Pour le moment, ce sont les Liabres qui mènent avec 87 points, mais rien n'est joué. Voici la troisième. Bonsoir. Marie. Bonsoir. Secrétaire juridique. Ça veut dire que vous travaillez quoi, chez un avocat? Un cabinet d'avocat. Ils sont gentils? Oui. C'est là-bas, à Perpignan? À Perpignan même. Très bien. En face de vous, Guy, est-ce que vous êtes grand-père? Ah, pas encore, bientôt. Encore, ben, ça va venir. Non, ça y est, bientôt. Ça vous fait flipper un petit peu? Pas du tout. Il paraît qu'on est totalement gâteux quand on est grand-père. A priori, oui, on le sera. Ouais, il paraît qu'on on fait des trucs qu'on n'a peut-être pas fait quand on était plus jeune. On danse et tout. Hein? On danse. Oui, ça c'est quand on vient à Famille Honor qu'on danse. Mettez la main derrière de l'eau. C'est vrai que Guy a magnifiquement bien dansé. Mais vous aimez bien danser, vous aussi? Ah, moi aussi, j'adore danser. Vous dansez quoi? Je danse tout. La sardane, les danses. Qu'est-ce que c'est salon. La sardane? Qu'est-ce que... Ben, la danse, la sardane, c'est la danse typiquement catalane de chez nous. Vous pouvez nous montrer? Ben oui, qu'est-ce mais alors ça se danse à plusieurs. Qu'est-ce qu'il faut comme musique? Il faut une sardane. Est-ce qu'on en a la sardane? Oui, me répondons. Ouais. Il vous faut. Ah, vas-y, Marjorie. Ben oui, il faudrait qu'on fasse une petite ronde. Bah, alors, vas-y, 30-20 secondes alors. Hop, oui, allez. Allez, on va ce que c'est la sardane, mais oui. On apprend des choses. Les caméras sont de l'autre côté. Enfin, vous avez tourné. Vous avez le pied gauche. Non. À la musique, comme vous voulez. Et là maintenant on va lever. Ah dis donc, c'est un boulot hein. Ah c'est quand même une des danses où on a le plus rien à faire quand même hein. C'est bisque. Bravo. Mais vous dansez bien. Mais qu'est-ce que vous dansez bien. Merci. Vous dansez super bien. Ah. On sent que vous avez répété. Non, elle était lente celle-là, elle était pépère. C'était magnifique. Ouais, j'imagine sinon, quelquefois ils la mettent à la bonne vitesse. Ouais. Là ils l'ont mis en 30 cm. Sinon c'est... Ouais, j'imagine. Mais ça dure entre 10 minutes, un quart d'heure, une sardane. Ah ben, si ça dure 2 minutes, on se fout de notre gueule, on n'a pas pour notre pognon non plus. Là, on peut pas faire une sardane de 10 minutes, un quart d'heure. C'est pas possible, là, c'est minimum 10 minutes, un quart d'heure. Tu vois, les mecs qui sont autour sont là. Ça j'aime bien, ça j'aime bien. Voilà. Comme ça. Concentrez-vous les gars. Après une bonne sardane. Main dans le dos, main sur le buzzer. Voici la question. Alors tout à l'heure nous avons une excellente question pour le début d'émission. En voici une deuxième. Que peut-on lécher? Une glace. Comment? Une glace. Guy est très raisonnable. Une glace. C'est une top réponse. Benjamin, qu'est-ce qu'on peut lécher? Une sucette. Sucette. Gros dégueulasse. Oh. Et là voilà, la sucette. Une tétine? Une tétine. On suce une tétine? Eh non, je crois pas. Sylvia. Son doigt. Son doigt? Qu'est-ce qu'on lèche son doigt? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Oh, je bois. Qu'est-ce que tu fais? Rien. C'est sympa? Tu veux pas venir 5 minutes? Attends, tu vois pas que je suis occupé, hein? Allons-y. Et si? Ne dites rien de plus. Allons-y, j'attends.
un timbre. Un timbre, ah oui, absolument. Bah. Eh oui, mais le panel, il lâche pas de timbre. Lui. Pas de timbre. Concentrez-vous les enfants et concertez-vous en même temps, Guy. Une enveloppe. Une enveloppe. Ah, s'il n'y a pas de timbre, je crains qu'il n'y ait pas d'enveloppe. Eh oui. C'est grave. Eh oui, ils doivent penser à autre chose, le panel. Alors, que c'est une mêlée de rubis énorme. C'est toi qui décide. On est à 50-50 à 5, il faut le faire. Hein. Ah, c'est pas mal. Avec, ouais. Ah, bah oui. Il y en a une qui alors, je vous en écoute un par un, Pascal. Assiette. Comment? Assiette. Une assiette. Une assiette. Une assiette. Oui, une assiette. Ah, bah là, c'est plus 50-50, fils, hein, c'est 60. Bah non, mais du coup, ouais, on s'est pillé l'assiette. Hein. Ah, mais vous n'êtes pas obligés, les enfants. Dites-moi ce que vous pensiez, vous. Qu'est-ce que vous pensiez? Oh, moi, j'ai pensé une assiette d'emblée. Ah bon, et vous avez pensé quoi d'emblée? Moi, j'ai dit quoi? On lèche vitrine, les vitrines. Les vitrines. Ouais. J'aurais pas pensé à ça, mais je peux pas le dire, là, à la télé. Bah, je vais suivre la famille, je vais dire assiette. Lécher une assiette? Ben, ouais. Non. Ouais, ouais. Et... Vous y pensez, hein? Bien, mais c'est normal. En fin de repas, toujours, hein, toujours. Qu'est-ce qu'il y a comme dessert? Alors, qu'est-ce qu'on peut lécher? 74 points, c'est bien, parce que là, vous êtes bien parti. Mais tout peut changer, vous le savez, à la quatrième manche. Qu'est-ce qu'on peut lécher d'autre? Une cuillère. Et une casserole, très pratique. Très pratique de lécher une casserole. Je félicite le panel, bravo. Je récapitule. Applaudissements pour les Benamou qui n'ont pas de points. Mais qui peuvent sur une manche. Oh, fais pas la tête, Benjamin. Rien n'est joué, il va y avoir la quatrième manche après le duel que voici. Secondes pour jouer pour des cadeaux, vous le savez, pas de points par d'argent. Néanmoins, un petit cadeau ne fait pas de mal, surtout quand on est fanny. Pour l'instant, c'est le cas des Benamou. Monsieur et madame, Rach Larissa ont une fille. C'est parti. Oui. Sahara. Non, pas ça. Non, pas Sahara. C'est pas un nom. C'est Sarah. Pas... Il me faut un prénom. Rach Larissa. Sarah. Sarah Rach Larissa, ça veut rien dire. Rach Larissa. Lisa Rach Larissa. Non, c'est un prénom de grande musicienne. Non, pas Lisa. Non, Rach Larissa. Rach Larissa. Vas-y. Elle a Rach Larissa. Oui, là, là, c'est bien. Tu es avec quoi, mademoiselle? Tu es avec quoi? Ella. Ah, t'avais Ella, mais faut le dire, chouchou. On s'en fout du buzzer. Fallait le dire, ma poulette. Fallait le dire, je te promets. Faut vous exprimer. C'est pas très grave, vous êtes en tête, hein, largement. Ella, Rach Larissa. Ella, Rach Larissa, mais on va voir où est-ce qu'elle est. Ella, où tu es? Je suis là, Christophe. Le problème c'est que ça me pique. Ça me pique. Je vais chez du RSA, ça me pique, je peux pas. Le problème c'est que ça me pique. Tiens madame. Donc madame, des cabas pour nos amis Benamou. Ça me pique la bouche, Christophe. Comment dites-vous? Ça me pique, ça me brûle. Ah oui, ça vous pique, ça vous brûle. Ouais. J'ai mangé du couscous. La crème épilatoire, c'est comme vous voulez. Hein. Montrez-moi votre bouche un peu. Mais oh oui, ça vous brûle, montrez. Regardez la caméra, c'est horrible. Ne riez pas, c'est pas drôle. Je m'en vais. Vous êtes mignonne. Je pars, je vais me nettoyer la bouche. Vous n'êtes pas un peu grossi? Si. Allez, au revoir. Si. Salut, Ella. Merci. Au revoir, Christophe. Vous avez une jolie série de cabas. Hein. Oh, vous êtes content avec vos cabas. Bien, à la question citer un aliment riche en vitamines, vous qui êtes chez vous, la réponse qui arrive en deuxième position était bien évidemment le kiwi. 2000 euros supplémentaires en trouvant la réponse qui arrive en troisième position, pomme ou banane. 7-13-13 pour SMS, 36-80 pour le téléphone, le nom du gagnant en fin d'émission pour le moment. Les Yabres sont largement en tête avec 161 points. Mais tout peut encore changer, voici la quatrième manche. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Marjorie? Je suis préparatrice en pharmacie. Préparatrice en pharmacie. Mais alors, vous avez un hobby, comme disent les enfants, c'est que vous faites des rallyes automobiles. Oui. Vous êtes copilote. Voilà, et mon mari est pilote. Et Pascal est pilote. Voilà. Vous avez fait récemment? Avec le cougnat. Non, là... La cougnat. Là, avec la petite qui arrive. Ah, c'est vous la petite qui arrive. Bah non, faut pas faire de rallye, bien évidemment. Donc là, vous aimez ça, être copilote? Bien sûr. On est bien secoué, on a la tête qui bouge comme ça. Droite. 5, cours, corde, pas corde. Ah, c'est quand même, hein, faut pas avoir peur. Hein, et non, surtout, j'ai faut pas avoir peur, confiance. Je me régale. J'ai tu roules vite. Oui. Vous avez déjà fait des podiums? Une ça fois troisième. Une fois troisième, c'est un podium, applaudissements. Bravo, très bien.
Benjamin, qu'est-ce que vous faites comme sport? Comme sport Oups, la question. La chouchouka. C'est plutôt un sport assis, en fait. Oui, je comprends. Je manipule la fourchette. Manger. Ça. Qu'est-ce que c'est bon de manger, vous avez bien raison. Ah, oui. C'est bon, il faut faire attention, mais c'est bon. Hein. Allez, mettez la main sur le buzzer. Les points sont triplés, on déconne pas, parce que là, pour l'instant, vous pensez que vous êtes en finale. Bah non. Rien n'est joué. Rien n'est joué. Voici la question. Qu'est-ce qui traduit, et peut-être que Benjamin va trouver, qu'est-ce qui traduit un état de fatigue? Benjamin. Le travail? Non. J'ai même pris. Ça va? J'ai un magasin de cerveau pas loin de chez moi, je vais vous dire. On va pouvoir en louer un, regardons ça. Ça ne marche pas. Qu'est-ce qui traduit un état de fatigue? Il est déjà barré. Oh, on va... Qu'est-ce qui traduit un état de fatigue? Quand on baille. On baille. Voilà, un bâillement. Bien sûr. Faut plus la perdre. La main. Mot de tête. Comment? Le mot de tête. Les mots de tête. Ouais. Ma tête. Pas sûr, non? Qu'est-ce qui traduit un état de fatigue? Oh ben, de la fièvre. Quand t'es fatigué, t'as de la fièvre. Oh là là, vous pouvez vous concerter, les gars, hein? Parce que là, ça pue du cul. Choisig. Oui. Qu'est-ce qui traduit un état de fatigue? On est pâle, hein? Pâle. La palitude. La palitude. Et non. Il reste plein de chances pour les Benhamou. Mais, va falloir qu'il y ait un paquet de points. Hein. C'est pas dans la fouille. Alors, qu'est-ce que vous avez dit, Déborah? Envie de dormir. Les yeux qui se ferment. Envie de dormir. On regarde. C'est les yeux qui se ferment, à mon avis, ça doit être dedans. Hein. Alors, qu'est-ce qui traduit un état de fatigue? On a des cernes. On manque d'énergie. On a des sautes d'humeur. Et on a des douleurs musculaires. Ouais, bon. Alors c'est 25 points par 3. 75. Plus 161. 236. Mes amis, vous êtes venus. Vous aviez 3070 euros. Vous êtes venus courageusement pour gagner plus. Et finalement. Mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette, c'est comme ça. Exactement. Mes amitiés, Sylvia. Salut, Jonathan. À bientôt. Au revoir, les gars. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Oups. Au revoir. C'est par là. Oui, oui, n'oubliez pas vos jolis sacs à main. Ciao, ciao. Oh, ouais. Ils sont tout gays quand ils arrivent et puis ils sont tout tristes quand ils repartent. En revanche, eux sont tout gays. N'est-ce pas que vous êtes tout gays? Parce que regardez, 236 en euros, ça fait 2360. Ça, c'est ouais. À qui? C'est à vous. Maintenant, vous avez le temps de la pub pour désigner celui ou celle ou les deux d'entre vous qui vont venir pour faire la finale avec moi d'ici quelques instants de pub. A tout de suite. Retour pour cette deuxième partie avec, nous allons savoir, les deux finalistes qui peut-être vont gagner ce soir 100 000 euros. Allez savoir. Qui avez-vous désigné, les Yabres? Ben donc, ça va être mon épouse Soizic et mon cougnat qui va passer en premier. Là, allez, cougnat et Soizic, venez. C'est donc vous qui restez avec moi, c'est ça? C'est vous qui allez là-bas. Bonjour, c'est avec vous. Vous restez avec nous? Et Soizic, c'est vous qui allez là-bas? Voilà. On va aller vous équiper. Jingle final, mesdames, messieurs, c'est tout de suite, allons-y. Elle va se faire équiper tranquillement là-bas, les yeux bandés, les oreilles bouchées, pour rien voir, pour rien entendre. Car en fait, pour essayer d'avoir 100 000 euros, qu'est-ce qu'il vous faut faire? Il vous faut répondre à 5 questions. Faire 200 points, 5 000 euros. Si jamais vous avez une top réponse, 10 000, 2 20 000, 3 30 000, 4 40 000 et 5 100 000. Le jackpot. Ah, elle a bien fait d'y aller, elle avait envie de danser. Alors, elle danse la tête en l'air. En même temps, ça doit être une habitude de petite. Parce que quand tu danses avec ton mari, t'as envie de le regarder. Ça va, c'est bien? Je te plais bien? Elle est mignonne. 20 secondes. 5 questions. Si jamais il y a une réponse qui ne vous vient pas, dites-le moi, on la passe et on revient. Le chrono partira à la fin de l'énoncé, le voici. Quel héros de BD ou de dessin animé retrouve-t-on souvent sur les verres à moutarde destinés aux enfants? Astérix. Hormis les poissons, que peut-on trouver dans la mer? Je passe. Quelle est l'activité principale d'une gardienne d'immeuble? Recherche. Citez quelque chose de gras. Je passe. Quelle question une femme pose-t-elle à son compagnon quand il rentre le soir à la maison?
T'as passé une bonne journée? Hormis les poissons, que peut-on trouver dans la mer? Bateau. Dans la mer? Ouais, dans la mer, c'est un peu d'eau, quoi. Comment avez-tu vos réponses, Pascal? Première question. Quel héros de BD de dessin animé retrouve-t-on souvent sur le verre à moutarde destiné aux enfants? Astérix. Alors là, vous êtes parti en live total. Hormis les poissons, que peut-on trouver dans la mer? Mais il dit des bateaux. Il y a sûrement d'autres choses dans la mer que des bateaux. Je pense aussi. Dans les deux cas. Ouais. Quelle activité principale d'une gardienne d'immeuble a répondu concierge? Est-ce que ce ne serait pas plutôt un truc plus précis? C'est pas une activité, ça c'est un état. Citer quelque chose de grave, vous n'avez pas su. Non. Et quelle question une femme postée à son compagnon quand il rentre le soir? Ça s'est bien passé la journée. Heureusement qu'il y a ça. Heureusement. Mais c'est quand même super faible. Allez rejoindre votre famille. Elle est manifestement une danseuse tête en l'air. On y va, non? Oui. Vous pouvez parler, hein? Oui, on y va. Comment? On y va. Qu'est-ce que vous dites? J'entends pas bien. Est-ce que vous avez bien dansé? On y va. C'est un... Le problème, quand on a un casque sur les oreilles, on a tendance à crier. Vous voulez qu'on enlève le casque? Oui, ça ferait du bien, oui. Comment? Ça ferait du bien. On va pouvoir l'applaudir, car elle a quand même très bien dansé. Hein, bravo. Hein. C'est fou comme quand on a un casque sur les oreilles, on a tendance à hurler. Hein. Maintenant, ça va être chaud parce qu'il n'a marqué que 78 points. Le cougnat, ouais. Et in extremis. Hein. D'accord. Donc concentrez-vous, 25 secondes. Si jamais vous me donnez une réponse identique à une des siennes, vous entendrez. Et il faudra me donner une autre réponse. Ok? Concentrez-vous bien sur ce que le panel peut éventuellement penser. On va afficher les réponses de Cougnat, donc chez tes spectateurs. Vous aurez 25 secondes pour faire donc 122. Bien. Vous êtes prête? Allons-y. Quel héros de BD ou de dessin animé retrouve-t-on souvent sur les verres à moutarde destinés aux enfants? Lucky Luquin. Hormis les poissons, que peut-on trouver dans la mer? Des crabes. Quelle est l'activité principale d'une gardienne d'immeuble? Elle nettoie les paliers. Citer quelque chose de gras? L'huile. Quelle question une femme pose-t-elle à son compagnon quand il rentre le soir à la maison? T'étais où? Pas mal. On voit la différence entre les garçons et les filles. Ouais, hein, j'aimerais bien savoir ce qu'il a mis, oui. Oh, ben il a mis un truc, alors, vraiment... À côté de la plaque, hein. Ah non, pas du tout, mais, comme pas, un cugnate, mais pas du tout, t'étais où? On va vérifier vos réponses tout de suite. Et en même temps, vous allez découvrir celle de Cougnat. Quel héros de BD de dessin animé retrouve-t-on sur les verres à moutarde destinés aux enfants? Il a des Astérix, vous avez des Lucky Luke. Est-ce qu'il y a une top réponse là-dedans? Astérix. Si jamais vous avez 200 points, vous aurez 10 000 euros. Hormis les poissons, qu'est-ce qu'on peut trouver? Lui, il a dit des bateaux. Dans la mer. Vous avez dit des crabes. Mer, hein. Mm-hmm. C'est déjà mieux. Ça va être dur. Hein. Je pense. Est-ce qu'il y a une top réponse là-dedans? Des algues. Des algues, c'est la top réponse du panel. Activité principale d'une gardienne d'immeuble, vous avez dit nettoyer les paliers. Il y a peut-être aussi le courrier, choses comme ça. Ça se peut, oui. Est-ce qu'il y a une top réponse là-dedans? C'était surveiller. Citer quelque chose de gras, vous avez dit de l'huile. Ça, c'est gras. Je pense. Ah ouais, mais c'est pas assez. Hein. Est-ce qu'il y a une top réponse là-dedans? C'était le beurre. Quelle question une femme pose-t-elle à son compagnon quand il rentre? T'étais où? C'est pas mal, t'étais où? Mais comme il y a bonne journée 56, bonne journée, ouais. Le t'étais où Il tourne le t'étais où? 13 points. 158, c'est loin. Venez les amis. Vous avez 2360 euros. Évidemment, bonne journée était une top réponse, qui fait que vous auriez eu 20 000 euros si vous étiez arrivé à 200 points. Où on se revoit ailleurs, où on se revoit ici, vous pouvez réfléchir, vous avez 2360 euros à remettre en jeu, à gagner.
ou à perdre, comme c'est arrivé au Benamou en face de vous ce soir, pour essayer d'atteindre une meilleure finale. Je vous laisse réfléchir et je donne la réponse aux téléspectateurs à la question citée un aliment riche en vitamines. La réponse qui arrive en troisième position était pomme. Pomme. Et le nom des trois gagnants s'affiche en bas d'écran, chacun 2000 euros. Pour chacun, un petit appel. C'est très bien. Alexandre. Mais Christophe, on s'est bien régalé quand même. Ouais. C'est un agréable moment. On le voyait, on avait envie de venir, on est venu, on est super content. Eh bien, vous redescendez dans le midi. On va redescendre dans le midi avec les 2360 euros. Parfait. C'est un plaisir. Très bien, super sympathique. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Salut grand. Bye bye. À très bientôt. Passez une bonne soirée, soyez heureux. Le jeu continue sur tf1.fr et ça fait couvert. Bye bye.